Salut à tous, bande de petits sacripants, c'est Elwen et on se retrouve sur Move and Blade Warband dans le mode Nova Aetas. Alors la dernière fois on s'était quitté, on avait GG deux mémoires, on était parti chercher des graines. Donc j'ai pas mal avancé niveau graines, vous voyez que j'ai parcouru cette certaine ville, j'en ai récupéré. J'ai vendu aussi tout ce qu'on avait trouvé dans les ruines. Ah oui, on avait fini sur les ruines, c'est ça. Donc ça m'a fait pas mal un beau petit pactole. Et là en fait on se retrouve à Rivaresh, donc la ville la ville de départ tout simplement, où je suis revenu en fait voir le maître de... Il y a ces gens qui passent à travers la chaise là. Je suis revenu voir le maître de guilde du coup parce que c'était un petit peu dur de se faire de blé, de l'argent, de la monnaie. Donc là on n'est même pas à Rivaresh, en plus je dis n'importe quoi, on est à Kurwar. Kurwar parce qu'on m'a dit qu'il y aurait peut-être un tournoi. D'accord, la porte est fermée, ok. Donc là on est ici donc à Kurwa, donc on est pas loin de Rivaresh, on va vite retourner à Rivaresh aussi tout à l'heure, mais d'abord il y a peut-être un tournoi qui va se dérouler ici. Et je dois dire que j'aimerais bien y participer, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre. On va pas y passer notre vie non plus. Voilà, voilà, il y a un tournoi, parfait. Donc ce qu'on va faire c'est comme la dernière fois, on va participer au tournoi. Pas rien court. C'est que vous gagnez 4 points à ce tour. Alors on va modifier quand même les options du tournoi. Donc difficulté c'était facile, ça il n'y a pas de souci. Normal. Là tu vois j'aimerais bien faire celui-là. En gros celui-là il faut gagner. Il faut gagner et avoir 4 points. Ce qui n'est pas totalement foufou. Donc équipe aléatoire, ça y a pas de souci. Trois équipes de deux membres. C'est pas trop dur ça, je pense. Je peux y arriver. Trois équipes de deux membres. Ok. Niveau, je vais mettre arme à deux mains. Je préfère. Et à la limite, je peux me... armure améliorée. Effectivement. Hop, on va partir comme ça. Et on va donc se lancer dans la bataille. Je suis à pied, comme d'habitude. Allez, attention. Oula. Oula, par contre, c'est moi ou... Ah, je suis le vert. Non, moi je suis quoi? Je suis vert ou bleu là? Oula, je déteste ça. En fait, je déteste les archers qui vous tirent dessus. Oh, il apparaît. Ce bâtard. Allez. C'était beau, c'était propre. Alors moi, il me semble que je suis bleu ou vert. En fait la couleur est pas très déterminée. Non, merde, je crois que je suis vert. Effectivement. Oh putain. Oh putain, il m'a mis cher. Oh, il m'a mis tarif. Ah. Ouh. Allez. Non. Non. Putain. Ah, il m'a mis trop cher dès le début. Bah c'est con parce que du coup j'ai perdu mon pari. Donc le mec qui était avec moi, on est d'accord, il a servi à rien. Il a servi strictement à rien. On est rouge là. Ce qu'on va faire c'est con. Putain sérieux, à la première flèche le mec il meurt. C'est pas de l'abus ça. Alors la technique c'est de marcher en crabe en fait. Voilà. Après vous arrivez vers lui, vous le tatanez. Putain. Oh il m'a mis... Oh il m'a mis tarif. Hop. Attention. Deux fois que je meurs, sérieux. Deux fois que je meurs, je deviens fou. Ah. Et en plus là. Ah. Ah. Ok les gars. J'ai totalement niqué mon foutail. Ah putain. Ah si vous voyez là, je ressemble à un nain de jardin devant mon bureau. Ah. Voilà. Putain. Eh, c'était pas facile. Hein. Bon, on va se battre au tour suivant. Franchement, si ça marche pas, je vais peut-être arrêter le... Sérieux? Sérieux, là? Il est où, le mec qui est avec moi? Ok, on a perdu. On s'est fait méchamment dérouiller. Hein. Méchamment. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Je me suis pris mes tarifs.
Franchement, j'ai encore envie de réessayer. Question d'honneur, question d'honneur. On va repartir. Mais là. Oh là là, il y a le mec qui arrive. Voilà, plus il se prend le coup. Sérieux. C'est trop chiant les mecs à l'arme à distance là. Je peux, à la limite, je peux les désactiver. Tiens. Ouais les gars, on est bon. Oh putain. Il reste qui là? Sérieux? Oh j'ai gagné. J'ai gagné le pari. Après là, vous voyez que c'est un petit peu aléatoire parce que c'est quand même grâce au gars de mon équipe. Il a pas été dégueulasse. Ce qui fait qu'on a quand même gagné. Bon, on va continuer. Ouais. Après, vous voyez, gagner un round comme ça, c'est... Par contre, c'est relou. Quand ils viennent tous sur nous, quand on est vert, c'est grave relou parce qu'ils viennent tous sur notre gueule. Et on se fait défoncer. Genre, on se fait pougner quoi. Mais crève ton cheval toi. Oh il se relève genre il part. Oh le warrior. Allez putain. Voilà. Ça va être chaud là, ça va être chaud. Oh putain je l'ai raté. Je l'ai eu. Il en reste encore. Ah il y en a un là. Attention, c'est le dernier. Il est coincé dans un angle. Oh putain! Je pensais pas qu'il mourrait sur son cheval. Allez! Allez! C'est qui le roi du tournoi? Alors, j'ai gagné pas mal de trucs. Allez, on va s'en refaire un petit encore. Putain, on est encore vert, fait chier. C'est vraiment le truc le plus pété d'être vert. Regardez mon pote, il va se faire rouler dessus. Genre méchamment. Attention il arrive, il arrive. Oum. Dans son cheval. Sérieux, arrête toi. Toi suis-moi toi. Voilà. Viens te battre. Viens te battre. Ah putain. Ouh. Beau gosse, beau gosse, beau gosse. Ah j'ai cru que j'avais gagné. Faut espoir. On va le finir lui. Voilà, c'est propre. Et encore, je suis en mode facile. Ah, je me demande ce que ça donne en mode très difficile. Bah là, le tournoi est fini. Sérieux, je suis même pas dans les 3 premiers. Oh, j'ai gagné 3 manches sur 6 et je suis même pas dans les 3 premiers. Ah, la lose. Pff, en plus, il y avait des trucs sympas à gagner. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait un petit peu d'argent. On va attendre encore ici. Voilà, donc là, on est le petit matin. Oh, le matin, toujours pas. Parce que des fois en fait dans l'autre version j'arrivais à faire plusieurs tournois d'affilée. Non. Non non non. Bon bon on va. Voilà c'est fini. Hein. Je pense que là c'est die. Donc on va avancer. On va aller à Rivarech comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer aussi la fonction. Comme ça me permettra de vous montrer la fonction d'apprenti. Après je pense que je ferai tout le boulot d'apprenti en off. Parce que c'est pas très intéressant à voir, vous allez vite comprendre que c'est un petit peu saoulant en force. Je vous ai pas parlé d'un autre truc, alors j'ai peur d'avancer en fait sans regarder parce que je vais me faire agresser par des bandits, mais il me semble, alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais il me semblait qu'on avait la possibilité en fait de devenir empereur et de, entre guillemets, reconstituer un empire qui avait disparu. Donc là on a des ruines, on peut trouver d'autres endroits comme ça sur la carte, et en fait à partir de là on peut reconstruire certaines choses. Et du coup on peut restaurer entre guillemets un empire. Il me semble que c'était dans ce mode là. J'ai fait beaucoup de modes alors après je peux peut-être confondre mais il me semble que c'était celui-ci. Donc ça c'est les mecs du nord, ok. Je voyais pas bien la couleur. Donc pourquoi pas devenir empereur? Pourquoi pas? Ça serait... Moi je trouve ça tentant personnellement. Je trouve ça pourrait être cool de devenir empereur. En plus je l'ai jamais fait donc il y aurait peut-être des disponibilités du mode qui seraient intéressantes à voir. Ma foi, pourquoi pas. Donc là, on se dirige vers Rivarech, toujours. Enfin, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite avec mon personnage, mais je me dis que c'est un peu des points gaspillés. Bon, là, je mériterais d'aller un peu plus vite. D'ailleurs, regardez, peut-être que... Alors, on peut augmenter des choses dans notre personnage, alors... Aller plus vite, c'est quoi déjà? C'est éclaireur? Alors on va augmenter l'éclaireur.
C'est important d'augmenter l'éclaireur parce que ça permet aussi de pouvoir distancer ses ennemis quand vous tombez sur un gros groupe d'ennemis ou quand vous allez faire du pillage par exemple, et que vous tombez sur un seigneur qui vous court après. Par exemple, là, la vitesse il est à 3,8, moi je suis à... Je suis à Podzum, moi. C'était écrit. Je suis à 6,3. Après ça dépend des unités que vous avez avec vous, etc. Ce qui peut vous ralentir. Donc hop, on arrive à Rivaresh. On va aller faire un petit tour dans la boutique. Parce que là il me manque plus beaucoup de graines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va quand même prendre celle-là au cas où. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de trucs à bouffer pas cher, genre viande de cerf. C'est pas cher ça. Pas cher. Pas cher. Alors en fait j'achète à manger parce que il peut manger de la farine. Allez, vous mangez de la farine aussi. C'est parce que comme je vais attendre un bon petit paquet de temps ici, je préfère acheter ce qui est le moins cher pour mes soldats, on s'en fout un peu. On va aller prier au temple nordique, augmenter un peu mon intelligence en fait de rester là en priant au temple nordique. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette ville, en plus du fait que je vous avais dit qu'elle était l'une des plus rentables pour y monter un commerce. Alors il y a un forum sympa où ils ont référencé un peu tous les commerces les plus rentables. Mais vraiment le plus rentable c'est de faire une teinturerie à Rivaresh. J'ai pas trouvé mieux, vous allez voir. Oula, j'ai voulu mettre une droite. Votre piété a augmenté de 11. C'est le nombre de jours je pense où je suis pas venu prier. Voilà, faut penser à le faire de temps en temps, ça vous augmente votre piété. Tac tac tac. Donc moi je vous ai dit qu'on va aller... Non, je me suis trompé. Qu'est-ce que je suis con. On va aller ici, salle de la guilde. Voilà, on va voir notre monsieur ici. Et on va lui dire... Attendez, c'est où? Je le vois pas. Là, vous avez déjà... Comment ça, j'ai déjà mon propre truc ici. Je viens de devenir un apprenti. En fait, ouais, j'ai pas. En gros, ça, c'est le message pour vous dire que vous avez pas assez de. Vous pouvez ouvrir plusieurs commerces dans une ville, mais je crois qu'il faut être. Je crois que c'est un commerce par ville. Je sais plus si c'est possible d'en ouvrir deux, honnêtement. Après, vous pouvez acheter des trucs à mettre en location, etc. C'est ce qui est, je pense, après le plus rentable après le commerce. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est être artisan, charpentier, tailleur, prêtre. Jamais ouvert ces commerces. Après l'intérêt d'ouvrir ces commerces, c'est que des fois ça vous permet de créer par exemple des armes. Et du coup vous pouvez demander à les garder ces armes, notamment. Et en tailleur, je crois que ça vous permet de créer de la soie, etc. Et ça vous permet après de pouvoir organiser des banquets. Enfin, c'est des ressources utiles pour la construction, vous verrez après. Teinturier. Donc là en gros ça me demande de l'argent. Voilà, j'ai gagné du prestige en plus, ça c'est pas mal. Il y a une option disponible via le menu de la ville, vous pouvez vous rendre à votre atelier, faites cela journellement, de manière journalière, on va dire, et parlez au maître artisan pour continuer votre travail et augmenter vos chances de pouvoir réaliser un chef-d'œuvre. Alors ça aussi, il faut que je vous l'explique. Donc là, dans le menu, en revenant ici, on a visité votre atelier. Donc là, on arrive dans la teinturerie, donc il y a différents... Les commerces sont tous modélisés différemment, donc c'est un beau boulot du modeur encore. Vous pouvez donc parler à votre chef, voilà. Maintenant nous allons vous faire court, j'attends de vous du travail sérieux et dur, tac tac tac, aujourd'hui vous avez terminé votre travail, revenez demain. Mon rôle principe c'est de faire ça, c'est de revenir hop, tous les jours. Et en fait chaque jour que vous venez, alors je sais pas si on va pouvoir le voir ici, mais si je retourne voir le monsieur là, hop. Je vais lui parler, je vais lui dire... 1% de chance, mais je vous donne l'honneur de pouvoir produire mon propre. Je vous demande l'honneur de pouvoir produire mon propre chef-d'œuvre. Que ça reprend vraiment les codes de l'apprentissage d'antan. Donc en fait, l'apprenti devait produire un chef-d'œuvre. Bon, c'est ce qui lui permettait de passer maître. Donc un chef-d'œuvre, bah, c'est de toute façon une arme. Donc, par exemple, si je suis teinturier, je vais créer une super teinture, etc. Ou je vais faire un super truc bien teint. Enfin, on verra ce que c'est. Bon, je m'en rappelle plus ce que c'est. Et ça va vous permettre en fait après le droit de devenir maître du coup et d'ouvrir votre propre commerce. Et tous les jours où vous venez travailler, vous gagnez 1% de chance. Alors 1% de chance c'est cool, mais du coup il faut quand même monter un petit peu. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire, si vous avez un petit peu d'argent sur vous, hein, c'est de le faire 25 jours. Ça vous avez 25%. Pour les plus déter, vous pouvez aller jusqu'à 50%. Après vous pouvez monter plus, mais honnêtement je trouve que c'est pas très très utile, sauf si vous avez vraiment pas de bol. Et vous venez lui parler, en gros. Et vous payez pour construire votre chef-d'œuvre. Donc ça va coûter une certaine somme d'argent.
J'ose pas cliquer parce que j'ai peur que ça me débite, et comme je suis en mode je peux pas revenir sur la sauvegarde, je serais baisé sinon. Mais ça vous permet donc d'avoir des chances de créer votre chef-d'œuvre. Donc vous avez, si vous avez 50%, vous avez une chance sur 2, si vous avez 25%, vous avez une chance sur 4, etc. etc. Donc ça vous permet de pas attendre jusqu'au bout, parce que moi la première fois que je l'ai fait, j'ai attendu les 100%, et bah du coup j'ai perdu masse de temps parce que j'ai perdu 50 jours en plus. Voilà, ça valait pas la peine, surtout que c'est pas si cher que ça de demander à refaire le chef-d'œuvre. Voilà, vous voyez que j'ai un peu d'argent sur moi, j'ai 6 000, je pense que j'aurais de quoi lui demander plusieurs fois de faire mon chef-d'œuvre. Si ça passe pas, c'est que j'ai vraiment pas de cul. Et du coup, bon, il me restera plus qu'à travailler et essayer de refaire un tournoi entre temps. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite ellipse ici. Le temps pour moi de travailler honnêtement dans cette ville pour acquérir un pourcentage décent. Une fois que j'aurai ce pourcentage décent, on va se retrouver ici pour que bah tout simplement je puisse tester d'avoir mon propre commerce. Alors il faut savoir que monter son commerce, ça a un coût aussi. Ça va nous coûter entre, je sais plus combien, une teinturerie, mais entre 5 et 10 000 sûrement. Donc il faudra que je fasse des tournois. Donc pendant que je serai en train de faire ma petite affaire ici, ben je regarderai s'il n'y a pas des tournois autour pour aller jouer le jeu. Ça pourrait toujours être sympa, donc ça je le ferai en off. Et donc on se retrouve tout de suite après, voilà. Allez, à toutes. Re les amis, alors on se retrouve parce que bah, il y a eu une petite notification subreptice qui est apparue à mon écran. C'est la déclaration de la première croisade. Alors, elle arrive quand même assez tôt dans le jeu. Il me semblait pas l'avoir eu aussi tôt les autres fois. Bah, je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est défini, j'ai juste pas de mémoire. Mais du coup, donc la première croisade, donc il y a un petit texte sympathique qui nous dit que le pape appelle à faire la guerre. Alors je sais pas trop pourquoi moi je reçois. C'est ça que vous habitez et bordé de tous côtés par la mer et les montagnes. Donc en gros, il vous parle, bon moi, mourant en route sur terre, sur mer ou contre les païens, sera immédiatement absous de ses péchés. Donc moi, sachant que je suis un païen, je vois pas trop pourquoi je reçois ça. Donc là, on a la possibilité, donc on a le point de ralliement. Donc le point de ralliement, c'est une sorte de camp qui apparaît, en fait, tout simplement. Ouais, c'est un camp, en fait, qui apparaît, tout simplement. Ça vous dit, voilà, donc il faut se rendre là-bas, donc vous avez des généraux, donc ça c'est tous des gens qui se... des PNJ, vous avez le chef de la croisade, donc plus vous avez de prestige, plus vous avez de chance d'être nommé chef de croisade, quand vous êtes chrétien, bien sûr, etc. Après, je sais pas si ça marche du coup quand on est païen, vu qu'apparemment, on reçoit quand même le message. Donc là, bon, il y a quelqu'un qui me poursuit. Hiérosol, c'est où déjà? C'est... Est-ce que c'est là? Il me semble pas, je crois que Hiérosol, malheureusement, c'est de ce côté-là, et que du coup, le pape lance une croisade contre nos amis, les Aztèques, les Incas, je ne sais pas trop. Donc moi je me dirige vers Sargotte parce que j'ai repéré un petit tournoi. Donc j'ai même pas eu le temps de... Voilà, ça fait genre 2 minutes que j'ai arrêté le record. J'ai déjà repéré un petit tournoi dans cette ville-là, donc je vais y aller. Et je vais essayer de me faire un peu de pognon. Donc on se retrouve après, je pense pas que ce soit la peine de vous filmer le tournoi, ça va être sensiblement... Merde, il va me rattraper. Sensiblement la même chose. Non, rattrape-moi pas. Non, bâtard. Allez, allez. Ah, il m'aura pas, il m'aura pas. Vous voyez d'où l'intérêt de mettre des points. Oula, quoique. Donc c'est encore une petite option. Alors là, on me propose de payer de l'argent. Oh putain, ils font chier, sérieux. Oh, j'ai pas de sous déjà. Et je vais faire un tournoi et les mecs, ils viennent me taxer, quoi. De gagner un bon trait. Honnêtement, franchement, je peux pas me permettre de mettre plus. Hein, donc voilà. 1000 florins, j'ai rien eu de toute façon en plus. Pas de chance, pas de chance. Non, il m'aura pas. Vous voyez, donc ça c'est vraiment intéressant. Oula, il est beaucoup plus rapide que lui. De mettre des points pour pas se faire rattraper par les bandits comme ça qui courent quand vous avez pas assez de troupes et surtout pas assez d'argent pour les payer. Donc, bon allez, vu qu'on est là, on se fait le petit tournoi. On se fait le petit tournoi, allez hop, je suis là. Ça sert à rien de... Attention. Ah mais quel con lui, sérieux. Peut-être faudrait que je lui mette l'option. Il faudrait que je lui mette une option pour qu'il soit à pied le mec avec moi. En fait, je déteste les mecs qui sont à cheval comme ça. Putain, je suis mauvais. Non! Ah putain, j'allais l'avoir en deux. Ouh! Oh la belle parade! Ah putain, ah, je déteste les mecs à épée à deux mains comme moi. Ah putain, il apparaît, ce bâtard. Ah le fils! Ah le fils de chien! Non! Putain! J'ai dit attaque par en dessus! Kékette, ah je suis une horrible kékette, sérieux, j'ai foiré 2 fois, vous voyez. Vous avez sûrement dû le voir sur la vidéo, mais je fais le geste pour lui envoyer une sorte de pique comme ça, alors qu'en fait je voulais frapper par le haut.
Ah, horrible quéquette. Alors, je peux pas. Est-ce que je peux pas changer quelques trucs? Non, ça, c'est mes réglages à moi. Non, apparemment, je peux pas changer. Moi, de souvenir, je croyais qu'on pouvait changer un peu ce qu'on avait en face de nous. Non, bah. Il me semble pas. Il me semble pas. Ah si, c'est peut-être modifier style du tournoi. Ah voilà, c'est ça. Alors en fait, je peux permettre aux gens de ne pas avoir de monture, par exemple, si ça me saoule. Ça me saoule un petit peu, on va pas se mentir. C'est comme les armes à distance. Ça me gave, hein. Concrètement, ça me gave. Donc là, ce qui est bien avec ça, c'est que... En fait, c'est que bon, voilà, bah ils vont se taper dessus déjà. Mais c'est surtout que... Ça permet... Ça... Oula. Ça permet de pas avoir de mecs à cheval qui vous rushent tous la gueule et d'avoir genre deux équipes sur vous. Et vous faire totalement piner. Bon là en plus on gagne easy donc on va pas se mentir, c'est plutôt sympa. Ah putain il a paré le coup. Voilà. Ah, putain, je me suis fait saucer. J'ai vraiment du mal contre les mecs qui jouent épée à deux mains. Surtout que après quand vous jouez sur les modes en ligne, d'ailleurs on se fera peut-être un peu de mode invasion. Je trouve ça vraiment sympathique ce mode. Il est sorti en décembre, donc il n'y a pas longtemps. C'est un mode qui est... Oula. Putain, j'ai pris cher. C'est un mode gratuit qui est proposé par nos amis de chez Tal. Je contiens ma haine, je reste zen. Je contiens ma haine, je reste zen. Je contiens ma haine et je reste zen. J'ai le seum, putain! Ah! Sérieux. Et les fils de chiens. Et ça c'est pareil, les armes à distance, c'est un putain de scandale. Attendez, je vais me prendre. Ah putain, il l'a eu. J'ai cru que j'allais me prendre une flèche dans l'os. Bon, on va gagner tout l'important, c'est pas tête. Bah le cadeau de fin, franchement, il fait plaisir. Hein, quand tu l'as. Ah putain, mais... Ah mais... Ouh! Ouh! Allez! Allez! Merde! Putain, il m'a volé mon kill, sérieux! Sérieux là! Putain, j'ai un seum pas possible. En plus, j'ai même pas gagné le pari avec ces conneries parce que j'en ai pas tué un. Saoule les mecs comme ça. Allez, mais sérieux, arrêtez avec vos... Eh putain, s'ils vont me spammer moi après. Voilà, faut courir en travers comme ça. C'est totalement débile. Allez, meurs, fils de chien, putain. Ah, ils sont deux sur moi, je peux rien faire. Non, non. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, c'est un petit peu normal parce que mon personnage, il est pas non plus bien boosté niveau combat, donc je fais pas des dégâts de fou. Et putain, putain, j'ai pris tellement cher. Je fais pas des dégâts de fou. Là, on est les bleus. Putain, ils vont nous tirer dessus longtemps encore. Il l'a eu, il l'a eu. Donc mon pote, il est bientôt dans le décès. Là, c'est un rouge. Putain, je vais l'accueillir. Ah putain, j'ai mal frappé. Ah, il fait chier. Regardez, il frappe beaucoup plus vite que moi. Mais il met 40 ans à lever son épée. Oh là 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 là. Sérieux. Sérieux. Alors après peut-être que je fais pas les bons mouvements, mais honnêtement je le trouve beaucoup plus rapide que moi. Alors je pense que c'est aussi, en part que je voulais dire, à cause de cette cible, bah ouais, c'est normal, là je gagne rien, je gagne peanuts, wallou, nada. Et en plus j'ai même pas gagné d'argent, c'est ça qui est... Pas si j'ai gagné un round quoi. Ouais super. T'as remboursé ce que t'as perdu sur l'action d'avant. Bon les gars, on se retrouve du coup quand j'aurai fini notre petit truc chez notre ami le teinturier en tant qu'apprenti. J'en perds mes mots tellement ça m'a énervé. Et bah voilà, on se retrouve tout à l'heure. Tout le monde, on se retrouve bah tout simplement après que j'ai passé environ 25 jours. Donc normalement si je me trompe pas, on va visiter notre atelier. Là on devrait être à 25% normalement. Hop, voilà. On va aussi aller faire un petit tour au... Allez, voilà.
pour prier un petit coup. Alors, il me semblait que c'était tous les 10 points qu'on gagnait de l'intelligence. Malheureusement, j'ai pas eu l'impression d'avoir gagné de l'intelligence pour le moment. Peut-être que je me suis trompé. Hop, entendez-nous, machin, détruisez, entendez-nous. Peut-être que c'est plus tous les 10 points, parce que ça a changé. Quoi, que de 1? Merde. J'ai attendu trop longtemps sûrement pour aller récupérer mes points. Parce que normalement, j'attendais. Je vais y arriver. Tout à l'heure, j'ai attendu 8 jours, je suis revenu, j'ai pris 8 points. Là, ça faisait plus de. Ça faisait plus de 10 jours et j'ai rien eu du tout. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais bon. Donc là, on va aller au marché. Ah oui, j'ai acheté pas mal de graines, donc niveau graines, je suis blindé. Et donc le plan, c'est d'essayer de créer son chef-d'œuvre. Normalement, on a 25%. Hop, voilà, on est à 25% de chance. Moi, ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est que je vais essayer de créer mon chef-d'œuvre. Après, j'ai peur de pas avoir assez d'argent. Donc, ce qu'on va faire pour avoir assez d'argent, j'ai pas envie de refaire un tournoi parce que je vous en ai assez montré. Je voulais vous montrer autre chose, et d'ailleurs, ceux qui connaissent Move & Blade le savent. C'est qu'on peut être entre guillemets vassal d'un seigneur. Donc moi j'ai pas envie d'être vassal, mais ce que je vais faire c'est que je vais juste m'engager dans son armée. Ce qui me permettra tout simplement en fait de me faire un peu d'argent. Et je pense de pouvoir atteindre les 5000, 7000, enfin le montant qu'il me faudra pour faire ma teinturerie. Enfin si j'arrive à faire le chef-d'œuvre déjà. Allez. Il me faut 300 florins. Allez hop. Selon nos maîtres, je dois travailler de cette manière. Maintenant, il est temps de vous montrer votre travail. Ah non, ça a raté. Ça a raté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on recontinue. On recommence. Hein. Allez. Voilà, je suis en dilapider mon argent. Oh, je perds que 150. Hein, c'est ce qui est pas mal. Alors, on va travailler. Putain, j'arrive pas. Je perds un masse d'argent. Oui, j'ai réussi! J'ai gagné 250 points de prestige! Ça c'est bien, ça c'est bien. Franchement c'est bien. Et j'ai obtenu l'objet velours de premier choix. C'est une merveille. Jamais auparavant personne n'a créé une telle œuvre magistrale. La guilde est heureuse de vous accueillir, vous et vos compétences. Vous pouvez arborer le titre de maître. Vous êtes maintenant autorisé à démarrer une entreprise dans cette ville. Donc ouais, je vous conseille franchement les 25%. Vous pouvez même le tenter à 10 si vous êtes un peu pété de thunes. Mais honnêtement, 25 c'est honorable. 50 c'est vraiment très bien. Donc alors maintenant ce qu'on peut faire, regardez, c'est que... on va dire entreprise dans ce bourg. Je crois que vous pouvez donc qui vous vendra le terrain dont vous avez besoin. Donc je voudrais faire un atelier de tissage pour faire des tissus et de la laine. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit teinturier. Regardez, il va vous rapporter 2254 florins chaque semaine. Et encore, ça c'est qu'au début, parce que quand la ville va devenir de plus en plus riche, en fait, ça va augmenter. Vos bénéfices, et des fois moi je touchais jusqu'à 6-7 000 là-dessus, c'est dans ma dernière partie. Vous coûtera 500 de main-d'œuvre et d'entretien. Le prix de bénéfices, alors ça coûte combien? Il me faut 15 000 florins. Ah, ça fait du mal. On a pas de budget. J'y suis pas encore. Alors vous voyez, je peux vendre ça à la limite, mais ça me fera largement pas assez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de. Alors, on va essayer de voir s'il n'est pas au château. Gentleman, d'accord, j'ai pas un rang suffisant. Alors là, regardez ça, ça pue la douille. C'est écrit 9, mais en fait, ça va pas être 9. Ça va me prendre genre 900 florins. Et je vais me faire baiser, mais genre en beauté. Donc ça, je le connais, ce coup-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher très gagné. Aucun homme ne peut... Un prestige par semaine, d'accord, bah merci, merci beaucoup. Là vous voyez que j'ai enlevé mes autres bonhommes, ça me consommait de l'argent pour rien, j'en avais pas besoin pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se trouver un petit seigneur. On va essayer de se trouver un petit seigneur. Alors j'aurais bien aimé idéalement le roi là. On sait pas trop où il est donc. Ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre peut-être dans la ville. Voilà. Que quelqu'un vienne. On va peut-être regarder s'il n'y a pas un tournoi aussi. Comme ça sera fait, on sait jamais. Alors, dans les bourgs avoisinants, Barrington. C'est trop loin ça, c'est trop loin, c'est trop loin, trop loin. C'est que des trucs à l'autre bout du monde. On n'aura même pas le temps d'y aller, que le tournoi sera fini. Hop, stop. Il y a plein de monde qui arrive là. Alors, on a du monde qui est là. Ah, regardez, il y a le prisonnier.
Roi Hakon, machin, Mergusson. Ah, d'accord. Mais j'ai vu des gens passer là en fait. Vous êtes... Qui êtes-vous? J'aimerais bien aller au château, mais je vais me faire taxer, regardez. Ah, 600 florins, j'en étais sûr. Putain, je suis trop con. Ah, et en plus, il n'y a même pas de femme pour m'indiquer. C'est pas sérieux. Non, j'ai payé 600 florins pour rien du tout. Ah, j'ai le seum. J'ai la haine. Il n'y a personne, genre, il n'y a vraiment pas un chat. Bon, on peut dire que je me suis fait couiller en beauté, hein. On va pas se mentir. Me semblait avoir vu des gens. Ah, c'est que du PQ, hein. C'est que du PQ qui a dû rentrer dans la ville. On va attendre, attendre. Alors, est-ce qu'on partirait pas 250? Pourquoi j'ai payé 250 de pool tax? Oh là là. Plus je perds du prestige de ouf. Y a personne qui veut venir, j'ai l'impression. Sont peut-être en guerre. Je pense qu'ils sont en guerre contre les Russes là. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va partir à leur recherche, parce qu'on va pas attendre indéfiniment qu'il y en ait qui arrivent. Hop! Ah non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, mais en fait non, ça doit être que des bandits. On va passer par là. C'est vraiment pas top sécu. Allez, on y va. On y va, on y va. Donc ouais, moi j'ai choisi le... J'ai fait le choix de ne pas... Pendant que... Une équipe va organiser un tournoi, d'accord, cool. Tellement loin. Narbarui, c'est un truc genre ici, quoi. C'est vraiment à l'autre bout de la map. Alors je pourrais y aller, mais franchement, j'ai la flemme de fou. J'aimerais bien en fait m'engager dans une armée pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire dans une armée. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, ça pourrait être sympa. Et en plus, ça nous permettrait d'avoir d'assez bonnes relations avec un seigneur. Alors là, c'est un Vaegir. J'ai pas envie de m'embrôler dans son armée parce que en fait, ça va foutre le seum aux autres, sûrement. Non, ils sont pas en guerre avec eux. Je sais pas du coup. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On va rentrer dans la ville, voir s'il n'y a pas. Non, il n'y a pas un petit tournoi. Bon. Il y a une mosquée? What the fuck? Donc ils croyaient que c'était des orthodoxes ou un truc comme ça. Non, pas du tout. En fait, Vaegir, c'est pas l'équivalent des Russes. Hein. Je dis peut-être des conneries parce que... Non, ça... Je trouvais que ça ressemblait un peu... Regardez avec la croix et tout, ça faisait très... Mais pourquoi il y a une mosquée? Je comprends pas. Je comprends pas trop le système de religion des fois ici. On va aller vers Sargotte. Alors eux, c'est les Norreg en état de siège. Ah bah voilà. Contre le royaume. Ah non, eux c'est quoi? Eux c'est le nord. En fait, eux je pense que c'est des mecs du nord quoi, tu vois. Et là-bas ça c'est vraiment des vikings plutôt. Enfin, il me semble ça doit être ça la différence. Regardez là, ça fait plus ça fait un peu Strasbourg quoi, tu vois le genre. Ça fait un peu le ouais, nord germain, on va dire, ces eaux-là. Alors là, on doit avoir plein d'hommes ici. On va essayer d'aller voir son armée. Non, moi je veux pas du tout ça. Moi je veux parler au mec qui fait le siège en fait. J'ai un peu le seum. J'arrive pas à le cliquer. Ah. Non, non, non. Allez. Est-ce que j'arrive? En fait, je vais pas attendre que le siège se finisse. Moi, j'ai pas que ça à faire. Dirung et son armée vous a rejoint dans la bataille. Ok. Mais en fait, moi, je m'en bats les steaks de tout ça. Je m'en bats les steaks. Et j'aimerais bien... Ça, c'est assez problématique, franchement. Quand vous pouvez pas... Je crois qu'il y a une astuce pour ça. Je pouvais... Non. Je me rappelle plus comment, mais il y avait moyen, je crois, de sélectionner les troupes quand elles vous faisaient chier comme ça. Je vais être obligé d'attendre comme un clodo à côté là. Bon, on va faire ça, on va attendre comme un clodo. Hop! Alors, moi ce qui m'intéresse du coup c'est de servir le roi quoi. Je vais pas servir tous les bouseux du coin. Parce que déjà en plus on va se faire dérouiller par n'importe qui, ce qui va me foutre grandement le seum.
Olaf, 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 c'est lui le roi, je crois, il me semble. Surtout, il a un bon nom de roi. Roi Olaf, voilà. Je m'appelle votre service. Voilà, donc voilà, une bannière, etc. Monseigneur, je souhaiterais être enrôlé dans votre armée. Il semble qu'il y ait beaucoup à gagner dans ces régions. Une paye hebdomadaire de 60 florins. 60 florins. Franchement, vous pensez que je vais Ah mais là c'est pire qu'un vol, c'est sérieusement 60 florins. On va en gros alors pour me payer hein, mon truc à 15 500 avec 60 florins par semaine, ça veut dire qu'il me faut alors, je calcule parce que 10 semaines ça me fait 600, 100 semaines. 100 semaines, ça me fait je suis très mauvais en calcul, hein. 6 000, il faudrait au moins, allez, on va dire 250 semaines pour me payer mon truc. Alors, c'est pas que j'ai pas envie de jouer à Mufenblade un certain temps, mais 250 semaines dans le jeu, c'est hyper long. C'est hyper long. Bon, après, ça va me faire prendre du grade, du galon, ça c'est sûr. Ça pourrait être sympathique de prendre du galon, mais malheureusement, voilà quoi. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On va quand même rejoindre ses rangs, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça fait d'être dans l'armée de quelqu'un. Mais je pense que je ne vais pas y rester longtemps. Alors après, plus vous restez dans l'armée, plus vous prenez du grade, du galon, ce que vous voulez. Bah, plus vous allez gagner d'argent, entre guillemets. Mais là, quand même, 60 florins, c'est grave l'arnaque. Bon, après, vous n'avez pas à payer la bouffe et tout. Hein, mais par exemple, moi, je paye déjà pour ma ferme 150 par semaine. Donc si je gagne 60, le calcul est vite fait, je me fais entuber. Concrètement, je ne gagne pas d'argent. En plus, il ne va pas bouger de sa ville. Donc bravo, bien joué. Bon, je crois que ça va être assez rapide. Je peux me révolter contre le commandant. Je peux partir de l'armée et garder l'équipement. Est-ce que je pourrais pas lui faire un petit coup de pute? Franchement. De vous à moi, est-ce qu'on pourrait pas lui faire un petit coup de pute et partir avec l'équipement? C'était sous ses ordres. Attendez, on va quand même regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Ouais, concrètement, pour un équipement comme ça vaut bien le coup de déserter. Moi, je me demande. Vraiment, on va juste lui dire, demander à parler au commandant. Etc. Continuer. Homme seigneur, je demande à ce que je congé pour des raisons personnelles. Vous devez un contrat en cours si vous désirez aller, vous devez payer. Ah! Ouh! I ah là 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 là! Oula! Il m'a dit un truc là! Bam bat! Ouh! Ouh ouh ouh! Oh putain, l'erreur, sérieux! Il me demande. Oh, c'est du racket! Il me paye 60! Il me paye 60 florins et il m'en demande 1500 pour partir! C'est un putain d'escroc, ce mec! Il a tout compris à la vie quoi. Vous allez, vous payez 60 florins, moins que ce que vous payez comme impôt par jour avec votre pauvre ferme, et en plus il vous demande 1500 pour partir. Bah, dans ces cas-là, franchement, ça va vite être réglé ça. Alors se révolter, j'ai jamais fait ça. J'ai vraiment jamais fait ça les gars. Le problème c'est se révolter contre le commandant, ça se passe comment? Allez, on va essayer. Va vous. Il est temps. Oui, Rolaf va nous mener tous à la mort. Il est temps d'agir. Allez. Voulez-vous libérer qu'ils viennent en aide à vos hommes? Oui. Vous êtes à l'extérieur de Riavège, vous apercevez une grande porte, la bannière du roi Olaf, les troupes, les gardes du bourg sont à l'affût des intrus. Il semble que vous ne pourrez pas franchir les portes sans encombre. Ok. Alors là, il y a plein d'hypothèses. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un magnifique teaser pour le prochain épisode. On va dire qu'on va s'occuper de cette révolte contre le roi Olaf au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé celui-ci parce qu'il commençait à se faire un petit peu long. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis tchou pour la révolte!